18h10, projection sur la façade de l'hôtel de ville. Temps de poster sa lettre au Père Noël. Cet enfant n'aura pas de jouets. À moins que les étoiles en décident autrement. Ne dit-on pas que les étoiles filantes réalisent nos vœux ? Regardez bien ces fameuses étoiles plus brillantes les unes que les autres. Certains disent qu'elles peuvent prendre la forme qu'elles veulent. Derrière cette voie lactée, il se cache un bonhomme de lumière appelé Poussière d'étoile. Poussière d'étoile tente de la consoler. Il y a tant de choses à faire ici. Présent. Elle part dans le monde des rêves. Thank you.
son vœu exaucé, Poussière d'étoiles lui réserve une incroyable surprise. Mission accomplie. Très joli. Voilà, les effets sont très bien réalisés. Oh bah c'est magnifique ce spectacle. Ce qui est très impressionnant, c'est toute la façon dont les éléments architecturaux de la façade sont utilisés, avec l'eau qui coule des fontaines. Espèce de comment ça s'appelle, de renversement mécanique des colonnes. Je trouvais ça très très bien fait. Je sais pas comment ils arrivent à faire à tourner toutes les pierres de tous les éléments. Les effets sonores aussi qu'elle est avec. Je trouvais que c'était tout à fait dans le bon ton. Qu'est-ce qui t'a plu ? Quand c'était projecté. Au moment où on partait, le décompte a commencé et on est resté, on n'a pas regretté. Vraiment super. Hein. D'accord. On se demandait si c'était un peu comme ça à Lyon, la fête des Lumières. La fête des Lumières. Et ça nous a donné envie d'y aller. Et il y avait plein de trucs qui étaient vraiment sympas, notamment les jeux avec les boules qui tombaient, ou alors les feux d'artifice qui partaient des petits balcons. L'apport de la lumière nous permet vraiment de redécouvrir complètement ces monuments et d'une façon totalement originale. J'ai particulièrement aimé les jeux architecturaux, voilà. C'est-à-dire se servir du bâtiment, par exemple faire marcher les fontaines, faire en sorte que le personnage saute d'une fenêtre à une autre. Et puis tout ce jeu de cartes qu'on voit avec les bâtiments, c'est vraiment une mise en valeur de la mairie de Colombes. Là, on est revenu avec des amis pour venir le regarder. Je suis venu 3 fois avec mes enfants et je pense que j'ai préféré aussi bien qu'eux. J'ai pas écouté les contes, j'en avais rien à faire. J'en avais plein les yeux, ça me suffisait. Et mon fils qui a 18 mois, il est tout content, il regardait. Ma fille qui a 4 ans, elle était toute contente. C'était parfait, bravo. L'animation est très bien faite, on se prend au jeu.
les couleurs, la musique, l'effet que ce soit pas trop long non plus, c'était très bien. Tout le bâtiment bouge, c'est impressionnant. Et puis après c'est l'univers du rêve pour le Noël, donc c'est très bien. Voilà, même si j'ai plus d'âge, je peux rêver encore. C'était très joli. Qu'est-ce que vous avez aimé en particulier ? Tout. Tout était vraiment magique, ça. C'est vraiment Noël. Là. C'est vraiment dans l'esprit de Noël, c'était vraiment féerique, magique. C'est féerique, c'était très beau. C'était super, ouais. Bravo.